Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Joue avec moi, jeu pour enfants. Alors, je vous ai déjà présenté donc ce petit kit de chez Crayola. Donc c'est un marker maker, refill pack. Voilà, donc on peut faire des super stylos soi-même, hein, avec les couleurs que l'on veut un petit peu. Voilà, donc c'est pour les enfants de plus de 8 ans. Et puis bon, voilà, on a tout le matériel que l'on peut trouver donc dans la boîte, hein. Donc là, on dirait presque un laboratoire Cosmos avec tout ce que l'on a. On a le standard, enfin le petit support, les tubes à essai, etc. pour les mélanges. Donc, ouais. Voilà, donc là, voilà, on a tout, enfin le contenu des stylos. Enfin, on a vraiment tout à disposition. Voilà, tout pour faire notre travail, pour avoir nos propres stylos, voilà, avec nos propres couleurs. Voilà, ça fonctionne comme ça, hein. Donc hop, on monte les stylos comme ceci, puis ça va aller à l'intérieur. Alors que c'est ça qui va un peu, on va dire, absorber la couleur. Et puis là, on peut le terminer, enfin, on peut le refermer avec ce petit couvercle. Et voilà. Donc j'ai hâte de voir vraiment comment ça va, parce que ça va donner. Voilà, donc là, vous avez vu, on a les différentes couleurs. Bon, ben, on va un petit peu voir ce que l'on va faire comme couleur aujourd'hui. Voilà. Donc, j'aimerais bien faire un petit mélange de turquoise, de violet, et puis ce joli rose un peu saumonné. Oui, enfin, ces deux-là sont sympas. Voilà. C'est trois couleurs, donc on va essayer. Voilà. Donc on va avoir besoin de jaune et du bleu, hein, à chaque fois. Donc 9 gouttes de bleu et 6 de jaune, si je ne me trompe pas. Donc là, c'est parti. 9 gouttes de bleu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc là, du coup, j'en ai 19 gouttes. Donc, je vais en mettre encore 8. Ça fera une quantité un peu plus importante, hein. Donc là, j'ai fait 3 fois 9 gouttes. Et je vais faire 3 fois 6 gouttes maintenant pour garder l'équilibre. Pour avoir la couleur, vraiment la couleur que je souhaite. Hop là, j'ai bien secoué, donc ça, hop. Et donc là, c'est parti, on y va. Donc là, hop. Donc on va mélanger, hein. Voilà, donc là, bon, bah, c'est à moitié plein, hein.
Ok. Bon, bah là, on est déjà un peu vide, du coup, notre stylo. Après, bon, bah, pour la prochaine fois, il faut savoir que peut-être qu'il faudra en mettre un petit peu plus, un peu plus de couleurs. Hop, je prends un petit sticker et je peux le coller comme ça par-dessus. Voilà. Donc là, bon, bah, pour celui-là, j'avais fait x3 à chaque fois, donc 3 fois la quantité de couleurs qu'il proposait. Bon, on va peut-être essayer donc à chaque fois 4 fois ou 5 fois, comme ça, peut-être que ça fait une quantité un peu plus importante. Et voilà, donc là, bon, on n'a plus qu'à bien remuer le tout. Voilà. Là, après, bon, je trouve que le violet est un petit peu trop foncé encore, hein. Voilà, bon. Voilà, donc après, bon, j'ai mis un peu plus de couleur, mais ça n'a pas l'air d'être non plus complètement plein. C'est en train de monter. Donc j'espère que, bon, ça va donner quelque chose de plutôt pas mal, là. Voilà, bon. Voilà, donc après, bon, sur l'arrière du stylo, hop, on met le couvercle, il faut pas l'oublier, hein. Faut le clipser comme ça, hop. C'est un peu, voilà, ça se laisse pas faire comme ça, mais faut un peu insister.
Voilà. Bah, donc là, bon, bah, on a déjà fait deux stylos et donc on va passer donc, au troisième. Voilà. Avec le, on va faire ce mélange-là. Donc on multiplie par 4 hein, les quantités demandées. Donc 4 fois 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, on remue. C'est très joli comme couleur. Hein. C'est un rose orangé. Ouais, assez lumineux. Ouais, c'est vraiment sympa. Ok, hop. Voilà, donc c'est pareil. Donc à la fin, donc on met à l'arrière, on met encore le couvercle. Voilà, hop. On met l'autocollant. On a notre stylo qui est quasiment terminé là. Voilà. Donc là j'ai mis bah, mes trois stylos qui sont terminés. Hein. Voilà, bien sûr, je vais tester tout ça. Hein. Alors ça c'est sûr. Voilà. Donc on va pouvoir bien sûr maintenant les tester, ça va être sympa. Voilà, donc la mine est très fine, hein, vous avez vu. Bon, ça fait un joli violet clair, je suis contente. Après, bon, bien sûr, on peut travailler sur l'épaisseur du trait, hein, suivant l'angle que l'on utilise avec bah, le stylo. Voilà. Donc on peut utiliser aussi le turquoise, donc c'est vraiment sympa. Mais après, voilà, ça ressemble pas vraiment à celui de l'emballage. Hein. Vous avez vu, on a quand même une petite nuance entre les deux. Voilà, bon. Voilà, on va tester le dernier. Voilà, donc là aussi c'est une super couleur, qui est pas mal du tout. C'est un peu, voilà, un peu mat également. Voilà. Bon, en tout cas, je trouve que la couleur est vraiment super. Voilà.
Voilà, on a quand même pas mal de possibilités. Voilà, c'est sympa, c'est chouette. Voilà, donc on peut l'orienter un peu de cette manière. Voilà, donc on peut faire un peu, vraiment pas mal de choses avec ces kits. Donc je trouve que c'est vraiment, voilà, vraiment un kit qui est super bien fait, super chouette. Donc on peut vraiment, c'est vraiment personnalisé, donc ces stylos. Et ça, c'est vraiment, je trouve ça vraiment chouette. Voilà. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas à aimer la vidéo, à laisser des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, hein, n'hésitez surtout pas. Et puis regardez aussi nos autres vidéos parce qu'on a vraiment plein plein plein. Voilà, donc j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Salut!